Être aussi résistant que dangereux, c'est possible avec juste l'âme brutale. Aujourd'hui, c'est Drey qui vous présente son deck, un très bon joueur qui me fait toujours des retours pertinents lors de mon théorie crafting avant que je ne vous partage mes créations. L'armure est l'âme du juste l'âme, et également de cette decklist. Le passif nous octroie 50% de notre attaque en armure lorsque l'on déclenche mêlée, et grâce à la compétence de maître, c'est encore plus 20% par ennemi autour de nous. On termine ensuite nos tours en beauté avec le déchaînement, qui inflige 25% de notre armure aux adversaires autour de notre héros. Le deck est disponible sur ma page WavenDB, et vous y trouverez un set d'items très classiques pour les builds d'attaque. Anocif, Rack et Rible pour l'accroissement simple de l'attaque, mais ce n'est pas terminé. Le Scylacion nous booste encore une fois que notre héros dispose d'un peu d'armure. Avec des anneaux presque tous au niveau max, Drake dispose ici d'une base de 233 attaques, qui monte une fois en jeu à 361. Pour cela, tous les points de statistiques sont mis en attaque, sans oublier de d'abord prendre les sorts nécessaires. Adrénaline brutale pour le placement et la pioche, Démonstration se passe de commentaires, Cuirassiope est un bon moteur pioche, et le meilleur tour 1 que l'on puisse jouer. Sans oublier le rayonnement, qui va booster notre attaque et donc nos gains d'armure pour le tour. On ne s'embête pas pour les sorts, il faut qu'il y ait écrit « mêlée ». Ces sorts ont été choisis en particulier pour cibler certains compagnons. Ashmal peut être invoqué rapidement en cas de besoin et déclencher l'effet de l'anneau oscillation. Loup et Gruffon sont présents pour la pioche, et Bump nous permet de conserver notre armure d'un tour à l'autre pour infliger de gros dégâts. Sans plus tarder, Drake se lance à l'assaut du Donjon Tor, au niveau 100. Non content de vous présenter son deck, il va frimer un peu en lançant chaque quête du donjon. On accélère un peu pour les salles, un timecode est disponible pour ceux qui veulent passer directement au boss.
Et oui, lorsque l'on lance la quête de la mercenaire, c'est Mandal qui se joint au boss. Avec 3680 PV et 236 d'attaque, c'est un sacré morceau en plus que Drake doit affronter. Mais on fonce dans le tas et un bon coup critique déjà nous met bien. On génère déjà 159 d'armure et avec un petit peu de pioche, vous allez voir que l'armure va monter à une vitesse absolument extraordinaire. Ici, on monte déjà directement à 512. Elles font relativement vite, c'est normal, face au boss et à Mandal. C'est tout de même pas n'importe qui qu'on est en train d'affronter. Le mercenaire qui nous gêne plus qu'autre chose. Parfois, il faut savoir être sage, ici on reste sur le bord, on n'utilise pas nos sorts de mêlée dans le vide, on attend d'être sûr d'avoir une première cible. Petite retraite stratégique qui nous permet ensuite de refoncer dans le tas, se placer entre le boss et Mandal. Ici on booste notre attaque pour générer encore plus d'armure, ça nous fait deux sorts de mêlée dans le tour avec un total de 431 d'attaque, c'est une quantité monstrueuse d'armure qui est générée. On atteint ici du coup les 864, vous allez voir que pour le build, c'est encore relativement peu. Moins 216 au monstre autour de vous. Et oui, ce sort n'est pas disponible normalement lorsque vous affrontez le Minotaur, mais puisque Mandal a été ajouté, il peut également vous assommer. Ici, petite technique assez maligne, frapper son propre personnage permet de retirer cet état. On monte ainsi déjà à 800 et on a encore un sort de mêlée à lancer, on va se mettre au milieu des trois monstres. Et on peut attaquer ici du coup avec un total de 361 points de dégâts. On a à peu près 1400 d'armure pour le moment, ça nous permet du coup, en fin de tour, d'infliger de gros dégâts. Moins 353 exactement. Moins 542, le critique qui fait plaisir. On va aller chercher un petit sort mêlé qui nous génère en plus un petit peu d'armure. Mais c'est surtout la jauge terre qui est appréciable pour avancer un petit peu en direction de loup qui nous permet de piocher énormément de sorts. Les monstres nous poussent dans le coin, c'est pas forcément quelque chose qui est gênant. Car une fois que nous avons deux monstres autour, ils vont avoir énormément de mal à passer la totalité de notre armure. Ici on est de retour du coup à 431 d'attaque, et lorsqu'on lance les sorts de mêlée, on se retrouve à 1000. Vous avez vu que pour le moment, les monstres n'arrivent absolument pas à descendre notre armure. Mandal est bientôt mort, une fois qu'il sera tombé, le boss sera vraiment une partie de plaisir. On n'aura plus aucun risque dans le reste du combat. Gruffon qui nous apporte un petit peu de pioche, on va pouvoir terminer Mandal tranquillement avec les dégâts de notre armure de fin de tour. Et il survit à un point de vie, petite erreur de la part de Drake qui va subir quelques dégâts, cela ne l'effraie pas plus que ça. De nouveau, le rayonnement, un sort qui booste encore notre attaque et notre gain d'armure, c'est vraiment le sort clé du deck. Coup critique à moins 600 d'attaque, on a 45% de chance de coup critique sur ce deck. Ce qui nous laisse tout de même une chance sur deux quasiment de faire un coup critique. Et avec l'attaque qu'on a, c'est non négligeable.
Le boss n'a plus que 1000 points de vie, on va terminer le combat en accéléré. Et on termine le combat avec plus de 3000 d'armure. J'espère que ce deck présenté par Drake vous a plu. Il est disponible sur WavenDB. A très bientôt tout le monde dans le monde des 12.